classe maman. Bisous, à bientôt. Ciao. Plus jamais ça. Oh, quel con. Bon. Bah, on va arrêter pour aujourd'hui, hein. Oh. Allez. Ça suffit. Oh, my God.
Écoute, je sais que je te réveille. Oui, c'est pas grave. Quand je pars, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? À la maison, ça va pas. Explique. Écoute-moi bien, je crois que ma maison est en... Que ta maison est hantée? Pourquoi tu dis ça? Je vois des choses. Quelles choses? Des apparitions dans les miroirs, des courants d'air frais, des cauchemars, avec une petite fille, un petit garçon malade. Je sais que t'es médium, je veux que tu m'aides. D'accord. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un, une fille, une petite... je sais pas, réponds à mes questions s'il te plaît. Oui, c'est possible. Oui, Alice, c'est possible. Tout à fait possible. Même si tu es pas médium, c'est possible. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que oui, tu les laisses communiquer avec toi. D'accord. Je sais, ça fait peur. Mais je peux pas faire ça, j'ai trop peur. Ils le font, je peux pas faire ça. Je peux pas. Si tu le fais pas, ça s'arrêtera jamais. Si tu bloques, ça s'arrêtera jamais, tu entends? D'accord, alors il faut que tu le fasses. Tu le fais, tu me tiens au courant, ok? Tu laisses faire et tu me tiens au courant. Et merci, ne panique beaucoup. Pas, tout va aller. Merci à toi. Ouais. Ça va aller. D'accord, je t'appelle demain. Bien. Reste calme, tout va bien. Ça va bien se passer. Ok. Merci. À demain. Petit garçon! Oui? Dis-moi, est-ce que tu habites ici? Oui! Attends, j'ai pas fini! Est-ce que tu connais une petite fille qui habite ici, dans le coin, dans le bâtiment? Avant, je connaissais, mais maintenant, je connais plus. Elle habite plus là? Non, elle a disparu. Alors, comment ça, elle a disparu? On l'a enlevée. L'année dernière, le soir d'Halloween. Donc ça va faire un an. Et elle habitait où cette petite? Juste là-bas en face. Bon bah je dois y aller, j'ai pas le droit de rester longtemps dehors. Allô? Oui, allô. Ça va? Ça va et toi depuis l'année dernière, ça va mieux quand oui, même? Oui, ça va mieux, oui, je te remercie. Alors comme tu me l'as demandé, je te rappelle et puis je te tiens au courant. Alors ce matin, j'ai vu le petit garçon. Lequel? Celui de ton rêve? Le petit garçon de mes rêves, oui, je l'ai vu, celui que j'ai vu dans mon rêve. Je t'ai dit qu'il y avait un garçon malade et une petite fille et j'ai vu le petit garçon. Je te jure que je l'ai vu. Ouais? Ouais. Ouais, alors du coup, c'est pas lui. Donc c'est pas le petit garçon qui est parti. Non, c'est la petite fille qui est partie. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu rentres en contact avec elle par le biais D'accord. du sommeil. Tu es prête pour ça? Non, mais je vais le faire quand même, ouais. Ok, bah fais-le alors. D'accord. Tu le fais et puis tu me tiens au courant après. Ok. J'ai mes deux anges gardiens avec moi, au cas où. D'accord, ok. Ok. Bah alors je te dis à tout à l'heure. Je te tiens au courant. D'accord, à tout à l'heure. Bye.
Je sais pas comment je me suis rendue là-bas. Je sais pas du tout. Je pense qu'elle est morte et qu'elle veut qu'on sache où est-ce qu'elle est enterrée. Ouais, je pense pareil, ouais. Maintenant, il faut que t'ailles voir les autorités. Ouais, mais j'ai peur qu'on m'accuse à moi, tu vois. Ouais, je sais, ouais. Mais va quand même les voir. Il faut que tu leur dises que t'as trouvé ça dans le bois. C'est pas rien, il y a du sang d'accord. Dessus. D'accord. Je vais l'emmener. Je vais l'emmener à la gendarmerie. Ça va aller. Mais tu sais, j'ai très peur. J'ai très peur parce que ce soir, c'est le 31. Oui, alors... C'est la nuit d'Halloween. Ah ouais. Et tous les enfants vont être dehors. Tu as raison, ça s'est passé le soir d'Halloween. C'est pour ça. Bon, je m'occupe de la gendarmerie. Voilà, fais ce que tu as à faire. J'espère que ça se répétera pas. J'espère aussi.